La justice suédoise a une nouvelle fois maintenu le mandat d'arrêt européen visant Julian Assange. Le cofondateur du site Wikileaks est la cible d'une procédure judiciaire engagée pour un viol présumé. Les faits remontent à 2010. Julian Assange dénonce une procédure motivée par des raisons politiques. Il estime que s'il est remis à la justice suédoise dans cette affaire, il risque d'être alors aussitôt extradé vers les États-Unis. Car en effet, la justice américaine lui reproche d'avoir publié des documents secrets, entre autres sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Il risquerait alors une lourde peine de prison. Pour échapper à ce mandat d'arrêt, Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est là qu'il demeure depuis plus de 4 ans, tout en continuant son bras de fer avec la justice. Pour la 8e fois, ses avocats avaient demandé que le mandat d'arrêt soit levé. Et pour la 8e fois, la justice suédoise a donc refusé.